Du coup, on lance rapidement le replay et on va se lancer tout simplement dans l'histoire. On va reprendre. La dernière fois, on avait eu la séquence émotion à propos de la mère de Laharl. Et on avait terminé la session avec le capitaine Gordon qui était le fameux protecteur de la Terre. Et on va reprendre Turvian Sector. Et salut Kouranaï, comment ça va? Unknown Encounter. Tu sens des signes de vie, Thursday? Malheureusement, aucune trace de Gordon. Au fait, aucune trace de la signature biologique de Gordon. Je vois. On doit le trouver. J'ai entendu dire que les quartiers généraux de Dinosaur World sont remplis de créatures vicieuses et mauvaises. Si nous sommes découverts... Je vais être molesté par des tentacules gluantes et mon... Ouais, je vais pas traduire. Ou alors, on va être avalé et on souffrira à petit feu jusqu'à mourir digéré vivant. Ça va très bien, Cornel, je te remercie. Ou même pire. Jennifer, s'il vous plaît, gardez votre imagination sous contrôle. Signe de vie détecté. Cela ne correspond pas à la signature biologique de Gordon. Les formes de vie s'approchent. Oh putain, courez. Chut, Thursday, fais moins de bruit. Je crois que j'ai entendu la voix d'une femme. Quoi? Un enfant humain dans le Netherworld? Un humain? Et en plus de ça, elle est... J'ai compris. Tu as été kidnappé par l'Overlord, n'est-ce pas? Et salut Sinjo, comment on va? L'humanité. J'ai entendu que les démons sont sans pitié, même pour les enfants. Même envers des enfants. Oh toi, pauvre petite chose. Ils ne t'ont pas mordu, hein, ils n'ont pas sucé ton cerveau, ils... Ils t'ont pas sondé, on va dire ça comme ça. Elle pense que les démons sont quoi là? Mais t'en fais pas, ta grande sœur va s'occuper de toi. Non, dégage. Quoi? Garde ton corps sexy loin de moi. Ah, je comprends, tu es passé dans la puberté, n'est-ce pas? Ne sois pas embarrassé, mon pauvre petit garçon. Enfin, mignon petit garçon. Tout le monde traverse cette période. Ok, je vais t'apprendre tout ce qu'il y a à savoir. Tu vois, en tant que jeune fille mature... Leurs seins deviennent plus gros et les garçons... Ok, maintenant, elle fait un cours d'éducation sexuelle. What the fuck is cette femme? Désolé de vous interrompre, mais nous ne sommes pas des enfants humains. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis Flon, je suis une ange en apprentissage. Ça, c'est Edna, un démon. Et celui que tu as appelé le joli petit garçon, c'est l'Overlord, Laharl. Là, c'est le temps que ça arrive au cerveau. Mon Dieu, je peux pas croire qu'un si joli petit garçon puisse être l'Overlord. C'est complètement différent des infos données par le quartier généraux. Qu'est-ce qui se passe, Thursday?
Et calcul encore. Calcul terminé. Ok, la réponse ? Le QG est un ramassis de menteurs. Oh non ! Est-ce que ça veut dire que les plans concernant le Seigneur voulant envahir la Terre est un mensonge aussi ? Bien, mais pas la co. Ah merde, ça c'est dommage. Courage ! Moins de 16. Eh ouais. Nous sommes venus ici pour tuer l'Overlord. Pour l'amour du ciel, il doit y avoir une mésentente. Attends, est-ce que je t'ai entendu dire, tu es venu ici pour tuer l'Overlord ? Alors attendez. Non, pas moi. C'est la responsabilité de notre héros, le capitaine Gordon, le défenseur de la Terre. Je suis son assistante, Jennifer. Et ça, c'est Thursday, le super robot multifonction. Et Bibi, ravi de faire votre connaissance. Héros, tu dis ? Oui, le capitaine Gordo est le... Gordo. Gordon est le héros de la Terre. Sa noble mission est de détruire tous les êtres démoniaques qui veulent s'emparer de la Terre. Mais nous avons été séparés quand notre vaisseau s'est écrasé. Très intéressant. Je dois absolument rencontrer ce capitaine Gordon. Et pourquoi ça ? C'est le devoir d'un Overlord de rencontrer des challengers, enfin de se battre contre des héros. Ah, trop cool. Femme, suis-moi. Je vais retrouver ton héros. Vraiment ? Mais... Je ne veux pas ton corps sexy à plus de 3 mètres de moi. Enfin, à moins de 3 mètres de moi, oui. Parce que... Comme vous voulez. Ok, allons chercher Gordon. Oula. Alors, laissez-moi deviner, là, un truc vert, je vais pas pouvoir traverser, c'est ça ? Ah. Ah, on peut le faire en deux parties, d'accord. Le combat peut se faire en deux parties. Ils sont niveau combien ? Niveau 30. Et salut, Phoenix 88-300. Niveau 30. 30. 30. Moira. 33. 30. Ok, donc les chevaliers fantômes, là, c'est 33. Et les autres, c'est niveau 30. Du coup, salut à toi, Phoenix, j'espère que tu vas bien, et bienvenue à toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça en deux temps. Pardon. Hop. On va le mettre là, pour les empêcher d'entrer. Voilà. Et on va d'abord s'occuper de tout ce qu'il y a à l'intérieur du cercle. À l'intérieur du périmètre. Pourquoi tu joues à un tactical ? Bah parce que j'ai envie. C'était quoi cette question à la con ? Désolé, mais c'est quoi cette question à la con là ? Pas les tacticales.
Ah bon, bah je suis ravi d'apprendre que je n'aime pas les tacticals alors. Bah du coup, je vais arrêter de jouer à ça alors. Elle est craint quoi, elle? Le feu! Un petit météore. Mystic Blast. Classe. Classe, classe, classe. Deuxième couche. Bon là par contre on va faire un petit triple soin. Hein. Et salut Timo. Non peut-être pas un giga. Ouais, méga ça devrait aller. Tu n'aimes... T'aimes pas les tacticals, mais tu joues à un tactical. Alors d'une, d'où je n'aime pas les tacticals, et de deux, je joue à ce que je veux. Non. Tu sais, si j'aimais pas les tacticals, j'en aurais pas fait un sur ma chaîne YouTube. Et je vous proposerai pas des lives sur un tactical que j'adore. Bon, ça c'est fait. Maintenant on va s'occuper de ce qu'il y a de... là j'ai fait de la merde. Ah mais je sais que c'est pas dit méchamment, mais d'où tu arrives et tu me dis « Ah, mais pourquoi tu joues à ça alors que t'aimes pas ?» J'y jouerais pas si j'aimais pas, en fait. C'est ça l'idée, en fait. Je vais pas proposer un jeu que je n'aime pas, ce serait complètement con, en fait. La seule chose que tu as pu m'entendre dire, c'est que je n'accroche pas à certains tacticals. Ça, c'est vrai. Bien que ça me viendrait même pas à l'idée de proposer un jeu que je n'aime pas quoi, enfin c'est complètement con en fait. Et dire que je n'accroche pas à certains tacticals veut pas dire que je déteste tous les tacticals. Comme je dis, j'en aurais pas fait sur ma chaîne YouTube. Et j'aurais pas... je serais pas en train de faire un live dessus. Je crois que c'était Final Fantasy jusqu'à que je vois écrit Disgaea. Ah non, c'est pas Final Fantasy non. Même pas mal. Mmh.
Puis franchement, le jour où je vous propose un jeu que je n'aime pas, c'est que vraiment il y a un problème. Raté. Bon, ben on va envoyer Luna qui va faire une petite méga star. Oméga star même. Non. Bon, une giga devrait suffire. J'espère. Nickel. Large. Est-ce que je tenterai pas le kill avec... Ouais non, il a 74, non. Ça ne passera pas. Oh. Oh, idée. Oh, ça va être épique. Alors attendez, par contre, il va falloir pousser tout le monde là. Là, c'est bon, là? Ouais, là, c'est bon. Oh, ça va être bien, ça. Du coup, on va rebalancer un heal. Hop là. Alors, on va d'attaquer avec les distances, on va voir ce qui reste. Et il reste pas mal de trucs. Ça devrait tuer ça. À l'aise. À l'aise. Même large. Titali, titali, tadou. Tac. On a déjà commencé avec ça. Bon, je sais que ça va pas tuer, mais... Ah, peut-être avec les contres, ça va tuer. Avec les contres, ça tue. Par contre, il va falloir que je commence à pex un peu Vincent là, parce qu'il commence à être à la bourre. Tout le monde qui est presque niveau 60. Et lui, il est à peine niveau 44. Il va falloir que... Alors, attends. Timo, je vais t'éloigner parce que t'as déjà assez d'XP. J'espère que Boom va pas faire... Va pas faire un contre. Là, ça va. Techniquement, Kurenai ne devrait pas contrer. Techniquement, hein. Non, c'est bon. Et on va faire le kill avec Vincent. Ah non, pas le combo. Quand je veux qu'ils fassent des combos, ils en font pas. Quand je veux pas, ils en font. C'est chiant, hein. Allez, on va se soigner. Et coucou Luna, comment ça va? Je vais juste regarder un truc. Nickel. Et on repart. The Sphere, je sais plus combien. The Lost Earthling. Ça, ouais, ce que j'allais dire, c'est Gordon. quel atterrissage! Je suppose que la Dame Chance était en vacances. Ça va très bien, Luna, je te remercie. Ah, au fait, Jennifer, Thursday! On dirait que nous avons été séparés. Est-ce qu'ils ont été capturés par l'Overlord?
Même avec le... le générateur de... Enfin, ouais, le moteur de 2000... De 200 000 chevaux de Thursday, il ne peut pas affronter l'Overlord seul. Je ne peux pas rester ici, je dois aller les sauver. Jennifer, tiens bon. Ah ben c'est con parce qu'on vient juste d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Que font les ondes rouges? Attaque plus 50, défense plus 50. C'est bien ça. On se met tous dessus. Alors, ici. Ici. Oula, oula. C'est là? Ouais, c'est là. Vincent, tu vas aller te mettre là. Move. Ici. Ah! C'est dommage qu'on ait pas une Jennifer dans le groupe, tiens. C'est vrai. Ça aurait pu être marrant. Hop, on se met ici. Et de toute façon, comme ça, il n'accède pas à la zone centrale. Alors, maintenant, on va les faire attaquer. Déjà comment... Ah ouais! Le contre-contre, les fameux. Ça m'éclate toujours autant ces trucs-là. Voilà, enfin le chat chargé en boucle. Ouais, apparemment t'es pas le seul à avoir des soucis. Et du coup, salut Boom, j'espère que tu vas bien. il craint quoi lui? La glace. Et lui le feu, donc on s'en fout. ...900 de dégâts. Vas-y, Kurenai, tape-le! De toute façon, je vais faire attaquer tout le monde, là, ouais. Eh hey. Bon, t'as un bonus de 50% en attaque, donc tu... C'est normal. Ah, cela dit, s'il reste là... On va faire le kill avec Kurenai. Hein. Combien? 300? On va faire une petite attaque au bâton avec Luna. Ah, parfait. Parfait. Le kill. Ouais! Voilà, Kurenai qui a rattrapé son XP, c'est bien ça! Enfin. Du coup, il reste encore des gens? Ah oui! Ah, ah oui! En effet, j'avais pas vu! J'avais pas vu qu'il y avait encore tout ça! Je pensais que c'était terminé, moi! 32. 32 et 36, d'accord. Bon bah go, on avance. J'avais pas vu qu'il y avait tout ça encore. Ça va à peu près aujourd'hui. J'ai fait la plus grosse erreur de toute ma vie. J'ai osé jouer à League of Legends en classé. Bah déjà, l'erreur c'est de jouer à League of Legends. Je plaisante évidemment. Prendre barre-toi la planète là, on n'y voit pas. J'ai fait 5 parties, les 5 parties de ma team étaient à 2,25. Ouh. Alors ça fait mal. Alors, on va mettre au moins la première ligne en défense.
Donc boum, Vincent. Timo, ouais, ouais. Et puis les demoiselles derrière, je pense que ça ira. Évidemment, il attaque derrière. 230, aïe aïe aïe. Le contre. Le contre contre. Le contre contre contre. Oh putain, il le tue pas. D'ailleurs, faudra que je t'en raconte une tout à l'heure, Luna. Justement par rapport à ça. Voyons, 64, 62. Est-ce que Kurenai est à. Ça, non, c'est dommage. Ah, oh, si, on peut faire un kill avec Kurenai. Alors, pourquoi je veux faire un kill avec Kurenai? Parce que c'est notre healeuse, et je rappelle que on ne prend de l'XP que sur les kills. Donc, il faut de temps en temps lui faire faire son petit kill pour pas qu'elle reste trop derrière. Par rapport à ce que tu m'as MP. Hey, il a quand même 1400 PV le lui là. Le contre. Ah non. Je m'attendais un contre-contre là, je suis déçu. Ah, tu vas surtout rigoler, c'est ça le truc. Ils commencent à avoir une bonne défense les mobs là. Ah merde, j'avais déjà fait attaquer, je suis con. Ah bah oui, je l'ai fait lancer Kurenai. Bon, Luna, je crois en toi, fais un one shot. Alors il craint la glace. Il craint la glace, il craint la glace. Allez, va pour un giga pour assurer le kill. Enfin, j'espère. Bon bah non, j'aurais dû tenter le rang au-dessus. Tant pis. Bon bah, fin du tour. Aïe 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 aïe. Non, c'est bon. Aïe aïe aïe. On va pas healer le mob, hein, ce serait dommage. Ben, c'est possible, hein, je rappelle. Voilà, le bon gros heal qui fait plaise. Du coup... Ah, ça tue pas. Le contre, le re-contre contre qui tue. Ça m'éclate tellement les contre-contre. Mais là, comme il a 900 PV, on le tuera pas, clairement. Ah, quoique. Ah, déjà exécuté. Oh, 500. Ah ouais. Oh non. Ah ouais. Et pour une fois que je veux pas qu'il contre, il contre. Tout pour m'embêter ce Yuan. Voilà.
Ouh. Aïe. Pouf. On va les soigner, hein. Alors, on y retourne. The Cross Point. Ah, séquence émotion, Jennifer et Overlord. Hey, Harley. Je suis Larl, pas Harley. Tu... n'a vraiment pas planifié d'envahir la Terre? Ok, Luna. Hmm. La Terre est une planète... une planète pourrie où les humains stupides polluent leur propre environnement, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je serais intéressé par ça? Mais tu as raison, mais la Terre est toujours notre foyer. C'est pourquoi Gordon et moi risquons nos vies pour la protéger. J'ai toujours cru que c'était la bonne chose à faire. Je ne sais pas en quoi croire maintenant. On ne dirait pas que tu mens, Harley. Mais je ne veux pas penser que mes compatriotes sur Terre me mentent aussi. Hmm. Qu'est-ce qui te fait penser que je ne suis pas en train de mentir? Je suis un démon! Bug? Ah, pourquoi bug? Apparemment pas de mon côté, tente un refresh, Phoenix, et... Je peux le dire en regardant dans tes yeux. Je te crois à cause de... parce que tes yeux sont purs. Cependant, je sais pas si c'est un pur... de pure gentillesse ou de pure méchanceté. Ça a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. That is man. Les yeux de cet homme... sont-ils purs maintenant? Ouais, enfin bref, on doit trouver Gordon et... révéler la vérité, ou alors quelque chose de terrible va arriver. Je suis d'accord, à ce rythme, la guerre va... La guerre va... comment on dit... va éclater entre le Netherworld et le monde des humains. Nous devons arrêter ça. Mais pourquoi? Ça pourrait être drôle. Etna. Ouais, désolé. Vous êtes trop sérieux, les mecs. Hein. Allez, qu'est-ce que c'est cette zone verte? Rien. Alors, il doit y avoir un géo, il est là, il fait quoi? Empêche les techniques spéciales. Ouais. C'est pas ouf. Ah, c'est cognac! Ah! Oula, calme-toi. Pire, si je peux me mettre là, est-ce que je peux le shooter? Oui. On va commencer à le shooter. Luna, tu vas partir à gauche. Ah, et re-Phoenix du coup, et re-Timo. Et Kurenoï, bah tu vas te mettre par là. Tu vas te mettre en défense parce qu'ils peuvent passer.
Eline, t'as pas la portée, donc tu te défends. Et vous, vous n'êtes pas à portée, donc vous vous défendez. Raté, 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 raté. La magie des fées. Ouh. Avec des petits cœurs partout. Aïe. C'est nul, c'est des cœurs qui font mal. Niveau 34... Bien ça. La balle derrière la nuque, hein. La fameuse. Ah merde, t'as pas la portée. Dame Ned. Ah merde, j'ai reculé d'une case. Je vais y arriver, je vais y arriver. Là. Alors, est-ce que ça tue ou pas, du coup? Voilà, ça tue pas, donc on va faire le kill avec Eline. Bilu! Ici. Oh, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. Biais, 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 biais. Le rugissement du lion. Un Kamehameha avec la Triforce. Oh, là, il y a moyen de faire un triple kill pour Vincent. Blade Rush. Oulia. Bien ça. Là-bas. En parlant de Dragon Ball, en parlant de Kamehameha, par jouer à DBZ de Budokai. Bah bon jeu, boum. Le coup de bâton de Kurenai qui fait le kill, c'est parfait. Allez, fin du tour. Bon, il reste plus que 3, ça va aller. Choc magique. Easy. Alors vous avez quoi, vous en prendre à Yuan. Giga Ice. Il va l'esquiver. Ah non. Ah ouais, il a une baisse de stats en glace, c'est pour ça qu'il a pris aussi cher. Ouais, moi je vais faire mon sniper de là-haut. Eline, tu vas faire la même chose. La flash a presque 600 de dégâts. La vache. Faut pas me faire chier, Eline. 59, 51. Ah non, 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 reviens, reviens, reviens. Hop là.
Attaque Zeus. Oulia. Voilà. J'ai 59, là t'es passé 59 aussi. Ouais, on va le kill avec Yuan. Et voilà. Voilà qui est fait. The Primordial Soup, le suivant. What the fuck? La soupe primordiale. Hop, le soin, et on se barre. Overlord and Hero. Ah, ça sent le boss. Bibi. Signe de vie détecté. Analyse, c'est le capitaine Gordon. Gordon est proche. Gordon, où es-tu? Ah, une voix familière. Est-ce toi, Jennifer? Tu as dû traverser l'enfer, mais n'aie pas peur, le capitaine Gordon est là. Ça, c'est le héros. Il est trop cool! Salut Sarah. J'aurais tellement aimé qu'il se vautre en redescendant. Gordon! Tout va bien, Jennifer? Qui sont ces enfants? Comment oses-tu m'appeler un enfant? Je suis l'Overlord! Toi, l'Overlord! Arrête de blaguer! T'es même pas encore passé la puberté! Hey, ce n'est pas genre. Ce n'est pas faire ça! Une attaque surprise, Overlord! Enfin, une attaque. En traître! Ouais. C'est le temps de te faire revenir à la raison. Moi, capitaine Gordon, défenseur de la Terre, mettrai fin à tes démoniaques ambitions d'envahir la Terre. S'il vous plaît, attendez. Tais-toi, vilain. Vilaine ? L'Arl, cet étranger n'est pas un héros. Il n'est même pas non plus le défenseur de quoi que ce soit. Allez, on lui botte le cul. Elle dit littéralement ça. Ça ne prendra pas longtemps. Pour une fois, on est d'accord, Flood. Écoute-moi, défenseur de la Terre. Si tu peux me battre, je promets de ne pas envahir ta planète. Mais si je gagne, alors tu acceptes de rester ici dans le Netherworld et de devenir mon vassal. Qu'est-ce que t'en penses? Bien. Un héros ne revient jamais sur une bataille. Gordon, écoutez. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, Jennifer. Je bouffe des gars comme ça à chaque déjeuner. Thursday et moi pouvons tenir par nous-mêmes. Enfin, on peut s'en sortir par nous-mêmes. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire en le capitaine Gordon, défenseur de la Terre, comme toujours. Ah, c'est un deal alors. Défenseur de la Terre, j'arrive. Viens, Overlord, je protégerai la Terre à n'importe quel prix. Thursday, protège mes arrières. Mission acknowledged. D'accord. Je saurais pas le traduire, mais je sais ce qu'il veut dire. Bon, du coup, Thursday niveau 38, Gordon niveau 38.
D'ailleurs, 2000 HP et 1800, d'accord. Donc tous mes tankis là, tous mes petits bourrins, vous partez là-bas. Et salut Palamessia, comment ça va? Ouais. Ah ouais, non. Ah oui, mais là ils font casse derrière, donc non. Et quoi? Ah j'ai déjà... Ah oui, j'avais déjà choisi l'attaque, j'avais pas fait gaffe. Là, vous pouvez combiner, je m'en fous. Peu! Prends-toi ça! Le contre-contre, le double contre-contre, qu'est-ce t'en dis de ça, mec? En un tour, on l'a quasiment tué. Hein. Et Reluna. Ça va nickel, voilà. Ah merde. Ah merde, ah j'ai raté. Faire comme ça. Tac. Et tac. Qu'est-ce qu'il craint, lui? Rien. Donc on va lui faire de l'étoile. Bon bah, fin du tour. Feu! Nul! Non, Luna! Bon, ça va, ça fait pas mal en fait. Alors, 59, 59, 57, 52. Bon, on va faire le kill, j'espère, avec Vincent. Le contre? Nickel. Eh, si je mettais une tourelle. Non? Oulia! Oulia! Et le finish avec Luna! Et bouffe ça! Non mais... Peu défenseur de la Terre, tu parles! La défaite du héros! Ah 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 ah! Alors, est-ce que t'aimes ça? Héros, goûte le pouvoir de l'Overlord. Tu as appris une importante leçon aujourd'hui. Les héros ne gagnent pas toujours. Ah 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 ah. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai blessé un humain. Par inadvertance, mais... Inadvertance, mon cul, ouais. Flan, tout à l'heure, tu agissais de plus en plus comme nous, les démons, hein? Non, non, je n'ai pas... Non! Mais si le Séraphin s'en aperçoit... Séraphin,
Séraphin Lamington! Êtes-vous là? Il y a un sérieux problème! C'est toujours un sérieux problème quand tu viens ici. C'est quoi cette fois? Flon a tué un humain dans le Netherworld! Quoi? Flon a tué un humain? C'est exact! Même si elle est encore une apprentie, un ange... un ange attaquant un humain est un grave péché! C'est impardonnable! Non, un tel péché ne peut pas être pardonné! But still... Pourquoi un humain était dans le Netherworld? Peu importe, mais je ferai tout pour m'assurer que Flood soit capturé. Je vais utiliser quelques-unes de nos troupes. Ai-je votre permission? Enfin, j'ai votre permission, n'est-ce pas? Ok, très bien, je vous laisse ça, Volcanus. Oui, monsieur! Je m'attendais pas à ce que les humains interfèrent. Maintenant... Comment va-t-il répondre à ça? Tout va bien aller, le Séraphin va comprendre que c'était juste une erreur. Il va sûrement, n'est-ce pas? Tu devrais espérer, ouais. Y'a plus qu'à espérer. Captain Gordon, Jennifer et Thursday font maintenant partie de... sont maintenant sous vos ordres. Et on termine l'épisode 9, Captain Gordon, défenseur de la Terre. Wouhou! Ça me fait tellement penser à la musique de Superman. maintenant que nous avons le défenseur de la Terre à notre côté... Et bonjour tout le monde, je suis le héros, Capitaine Gordon. Comme tout le monde le sait, je suis le 37e défenseur de la Terre. Comme le nom l'exige, comme le nom le précise, mon devoir est de protéger la Terre. Ça va trop vite, c'est chiant. Bref, je vais protéger tout le monde, tout ça, en tant que défenseur de la Terre, c'est ma mission. Prochainement, next on Gordon, Captain. Captain Gordon, pardon. Les anges, les démons et les humains dans l'épisode 10. Suivez mes aventures! Ah 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 ah! Mon cul, ouais! Ah, j'aime tellement l'humour débile de ce jeu! Un héros en peine. Gordon, lave mes caleçons, en gros. Gordon, après ça, range ma chambre. Et Gordon, après ça, prépare le repas. Cette humiliation. Le défenseur de la Terre travaillant pour un Overlord. Je ne peux pas me repentir assez pour mes prédécesseurs. On dirait que tu n'es pas heureux. Ne me dis pas qu'un héros va rompre sa promesse, n'est-ce pas? Un héros ne rompt jamais ses promesses. Tout ce que je peux faire, c'est endurer. Tant que mon destin n'est pas scellé, il reste de l'espoir. C'est ça, je vais juste prétendre lui obéir. Et quand il baissera sa garde, je m'échapperai pour retourner sur Terre. J'ai juste besoin de patience. Bien pensé, Gordon. Tes yeux sont pleins d'espoir. Est-ce que tu planifies quelque chose? Enfin, tu planifies quelque chose, n'est-ce pas? Non, j'étais juste... Bonjour, Harley. Attends, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Mais pourquoi pas, c'est plus joli comme ça. Edna et Flon sont allés me... Enfin, sont... Are going to show me. Ah, vont bientôt me...
me faire visiter le Netherworld et on va aller faire un pique-nique. Oh non, pas encore de pique-nique, hein. C'est bon. Ne parlez pas de bougies, s'il vous plaît. Pourquoi tu ne viendrais pas, Harley? Nous avons fait un super repas. Pique-nique? Tu dois plaisanter, Jennifer. Moi, le défenseur de la Terre, je travaille. Et toi, mon assistant, tu pique-niques? Oublie pas les bougies. Ouais, clairement, ouais. Mais Gordon, aujourd'hui, c'est... Sunday, c'est dimanche, non? J'ai oublié. Ouais, je crois que c'est dimanche. C'est un jour de repos pour tout le monde. C'est vrai, mais... Thursday, tu vas rester avec moi, rester et travailler avec moi, n'est-ce pas? Les robots ont aussi besoin de repos. Thursday va aller pique-niquer avec Jennifer, la la la. Traître! Et voilà, Gordon, on va te laisser à tes corvées. Dimanche, ouais, c'est bien là. Ok, merci, Luna. Alors, où est-ce que nous allons? C'est sa première visite dans le Netherworld. Pourquoi pas vers la mer de Gaena? Pourquoi? Eh ouais, calmez-vous les dialogues là. Quel est ce genre d'endroit? Ouais, pourquoi les dialogues passent tout seuls? Attendez là. Y a une boutique de pique-nique, de souvenirs autour? Pas loin? C'est pas vraiment ce que... Ils vendent pas vraiment des souvenirs là-bas. Pourquoi ils passent les dialogues tout seuls? Si c'est des souvenirs que tu cherches, blablabla, j'ai pas eu. Comme c'est adorable. L'année 666, J'arrive plus. Bref, c'est une édition limitée de l'année 666. J'en veux une. Ou un. Haha, dommage. Ok, aujourd'hui c'est pique-nique à la mer de Gaena. Demain ce sera shopping à la street à la rue des sacrifices. Je viens. Je te plains, Gordon. D'après le jeu, Trunks Petit peut battre Broly. C'est vrai. Très bien. Nous allons à la mer de Gaena. Je ne laisserai jamais I will never Jamais je n'autoriserai ces femmes à pique-niquer d'elles-mêmes. C'est une bonne idée. Nous devrions faire ça. Ce n'est pas comme si nous allions Not like we'd going. We'd be going on a picnic. Ah oui, ce n'est pas comme si nous allions pique-niquer. Quelqu'un a besoin de les protéger. Ok, c'est exact, allons-y. C'est ma chance. Je vais me faire discret et m'échapper durant le pique-nique. Épisode 10. Les anges, les démons et les humains. En fait, je pense que le fait du dialogue qui se passait tout seul et ultra vite, je pense que c'est... Juste pour montrer les trois filles qui veulent aller faire du shopping, en fait. Puis c'est de ça qu'elle parlait, donc. Donc je vais aller save. Et on va se faire probablement la première petite pause. Allez, petite pause, on se retrouve dans une minute ou deux pour la suite. Bon, en attendant, je coupe le replay.